Bon, là les gars, pour les produits terminés, on a du boulot. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou que vous allez mal et que vous regardez une vidéo, une de mes vidéos pour aller bien. Parce qu'on a le droit aussi d'aller mal des fois. Donc j'espère que... rien du tout en fait. Comment on peut commencer une vidéo ? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. On a de tout, on a du soin, on a du make-up, on a des produits cheveux. On a plein de choses, j'ai laissé un peu traîner. Et en plus j'ai fait mon tri make-up qui arrivera très prochainement. Et donc il y a quelques petites choses que je vais jeter. Je vais bien sûr vous expliquer pourquoi je les jette ou pourquoi, si jamais elles sont encore pleines, ou pourquoi, bref, vous avez compris, c'est le principe des produits terminés. On va commencer tout de suite avec ça, parce que c'est énorme et que j'en peux plus le voir. Shampoing douche dermatologique au beurre de karité d'Afrique de la marque MKL Green Nature. Je voulais un gros shampoing douche, un gros gel douche immense. Voilà, c'est un gel douche sans savon, machin. Honnêtement, il était pas ouf, peut mieux faire. Voilà, il a fait son job de gel douche, mais au bout d'un moment, ça me saoulait de l'utiliser. Enfin voilà, pas une odeur spécialement exceptionnelle, pas une texture spécialement exceptionnelle, ça faisait un peu format... gel douche quoi, gel douche slash huile de douche, mais voilà, pas fan, même s'il rendait ma peau relativement douce, sans plus. Je vais faire complètement dans le désordre comme ça, si vous voulez voir le maquillage et les machins, et bah, il faut rester tout au long de la vidéo. Le référencement. Donc pour le maquillage, on va commencer par le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai à peine touché, malheureusement, voilà. Il est tout pourri. Je l'ai à peine utilisé parce qu'il ne convenait pas à mes sourcils. Il me laissait un effet blanc dans les sourcils, il était pâteux, il tenait pas. Mes sourcils ne faisaient que bouger. Franchement, j'ai pas du tout aimé ce produit. Donc, au revoir. Arrivederci. Je sais même pas ce que ça veut dire arrivederci. Ça se trouve, ça veut dire à la prochaine. Et j'en sais rien. Ensuite, un produit de soin. Le Red Pepper Serum de Herborian, très bon sérum, texture agréable, odeur agréable. Je trouvais qu'il, je sais pas, que je me sentais pas rebondie, plus énergisée, j'ai envie de dire, quand j'utilisais ce sérum. Booste l'éclat un petit peu, c'est vrai. Il est vraiment pas mal ce sérum, il est très... Et puis le packaging. Le packaging est très joli, j'aime beaucoup. Ensuite, dans le maquillage, nous avions un crayon pour les yeux de la marque Kiko. C'était un crayon beige qui était, ma foi, correct. Voilà. Rien à dire sur ce crayon correct. Par contre, il tenait pas toute la journée, ça c'est clair et net. Mais il était correct, il faisait son job, il tenait, je dirais, une demi-journée, mais c'était déjà pas mal. On va passer à un produit cheveux, c'est le Wild Hibiscus. Shampoo Clean and Shiny Hair de chez Mermaid Plus Me. Mermaid Me, I don't know. Il est très bien, ma foi, je l'ai bien aimé. L'odeur, sans plus, hein, c'est pas une odeur qui me botte spécialement. Rien d'exceptionnel non plus, je n'arrive pas à trouver un shampoing que je trouve exceptionnel sur moi. Donc pour l'instant, voilà. Ensuite, on repart du côté des soins. Nous avons le Hyper Concentrate Eye Control Serum de chez Freshly Cosmetics. Ah ouf. Désolée hein, pour tous ceux qui sont là à faire les partenariats Freshly et machin et trucs. Franchement, je n'ai vu aucune différence sur mon contour des yeux. Après, je veux bien, j'ai pas un contour des yeux non plus hyper fripé, hyper machin. Mais le matin, quand j'ai les yeux gonflés, ça me les dégonflait pas. Et le fait que ça règle les cernes noires ou bleutées, je trouve pas spécialement non plus. Donc moi, je suis pas convaincue par ce produit. Ensuite, niveau maquillage, j'ai ce petit goupillon de chez Sephora que je vais jeter parce qu'il a fait son temps et il est pas ouf en qualité, très honnêtement. Je l'avais reçu, je pense, dans un coffret ou je sais pas quoi. Vous voyez, c'est un petit goupillon qui se referme comme ça. Franchement, il est pas ouf, je vais même pas le donner parce qu'il est vraiment trop vieux, donc je le balance. Toujours côté maquillage, le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Mon indispensable, mon incontournable sourcil, je l'aime d'amour, je l'ai racheté, voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, toujours dans les sourcils, on va rester dans la même catégorie, celui d'Anastasia Beverly Hills, le... il n'y a plus de nom dessus tellement je l'ai saigné. Le mascara à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, je l'ai bien aimé,
Mais des fois, il me faisait des taches quand je l'appliquais, donc parce que c'est un mascara coloré. Mais par contre, les sourcils avec celui-là tiennent bien. C'est pas comme ça avec celui que j'ai actuellement de chez Sephora. Petit message passé. Ensuite, côté ongles, nous avons le Gentle Nail Polish Remover de chez Kiko. Honnêtement, c'est un dissolvant doux. Il est doux, il dissolve. Il n'est pas exceptionnel parce que souvent, il faut repasser. Si vous avez un vernis un peu tenace, il faut repasser dessus et tout. Mais il est très bien, si c'est en plus un dissolvant doux comme c'est marqué sur le produit, tant mieux, et puis voilà. De chez KVD, donc le Inkwell Liner Longwear Matte Eyeliner. En faisant mon tri, je me suis rendu compte qu'il était tout mort, donc il n'a pas tenu très longtemps. Il est pas sec, mais on voit que la texture n'est plus une texture adéquate pour un liner, et j'ai pas envie de mettre ça sur mes yeux, tout simplement. Ensuite, pour les cheveux, nous avons le Curl Booster de chez Coconut. Donc c'est un définisseur de boucles. Il est bien, même si je trouve qu'il fait un tout petit effet carton quand même. Et contrairement à celui que j'ai actuellement, cet effet carton-là, si vous en mettez trop, ne part pas. Donc il faut justement doser pour réussir à s'en servir correctement, selon moi en tout cas. Ensuite, un blush de la marque Botanic Beauty. Donc c'est en teinte Darling Dahlia. Donc c'est un petit blush comme ça, et comme vous le voyez, je pense que vous le voyez, il fait des grumeaux maintenant et il se swatche pas bien du tout, donc je pense qu'il a tout simplement rendu l'âme. Peut-être que c'est parce que c'est une marque un petit peu naturelle, Botanic Beauty, ça me fait penser à quelque chose de bio ou ce genre de choses, donc voilà. Banana Beauty, un rouge à lèvres, c'est le Ladylicious. Donc tous mes rouges à lèvres Banana Beauty pour l'instant en tout cas ont tenu. Celui-là a un rendu très bizarre. Quand j'ai fait mon tri make-up, je m'en suis rendu compte aussi. Donc malheureusement, il part à la poubelle. Ensuite, j'ai cette pince à épiler. Alors je ne sais pas d'où elle sort. Il y a trois espèces de petites épées dessus. Je ne sais pas trop d'où elle vient. Mais alors elle est nulle. Mais nulle. Mais nulle. Elle coupe le poil au lieu de l'attraper. Des fois, tu galères à attraper ton poil là comme ça pendant 15 ans. T'arrives pas à le choper. Et quand tu le chopes, ça le coupe. Donc elle est nulle, donc je la jette. Voilà. Ensuite, de la marque Pellab, la brume éclat visage Mélisse plus rose de Damas. Voilà. Je sais pas si vous l'avez vu, mais quand j'ai fait ça, ça a fait un tout dégueu. Je sais pas, ça se spritch pas bien, regardez. Ça me fait des bulles. Et quand ça se spritch sur le visage, ça fait des grosses éclaboussures. Au début, ce produit, je l'aimais bien. Mais maintenant qu'il n'y en a plus beaucoup, je le balance parce que vraiment, ça, j'ai l'impression de me faire agresser le visage par la brume et j'aime pas trop ça. Sinon, l'odeur était bonne, elle sentait la rose, donc c'est pas mal. Ensuite, de la marque Freshly Cosmetics, nous avons le Rose Quartz Facial Cleanser with Ayurvedic Saponins. Lotus Flower and Shea Oil, donc c'est le nettoyant de la gamme de la marque pardon, Freshly Cosmetics, qui est composé à 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Il est bien, il fait son job de nettoyant, il sent bon. Par contre, il mousse pas beaucoup. Si jamais vous voulez quelque chose qui mousse, vous tournez pas vers ça. Il mousse pas beaucoup, voire pas du tout même. Et j'ai l'impression que je dois en mettre beaucoup pour nettoyer, du coup. Enfin, je sais pas si vous voyez. Comme ça mousse pas, j'ai l'impression de devoir en mettre plus. Mais après, c'est un truc qui est quasiment 100% naturel. Et il est franchement bien. Il fait son travail correctement, j'ai envie de dire. Il nettoie bien. Voilà. Je l'aime bien. Est-ce que je le recommanderais? Pas sûr. Je veux tester d'autres choses. Mais il est vraiment pas mal. Ensuite, on va rester chez Freshly avec le Azelaic Radiance Face Treatment. C'est ça. De chez Freshly, donc c'est le produit anti-acné de chez Freshly. Autant vous dire que pour moi, j'ai ma voix qui est en train de partir, pour moi il n'a pas changé grand chose au niveau de mon acné. Voilà, il m'a pas permis d'avoir moins d'acné, j'en avais toujours autant en l'utilisant. Je pense qu'il a eu une toute petite action sur mon acné, mais rien de ouf, parce qu'en l'utilisant seul, j'avais pas une diminution de boutons qui était énorme. J'en avais très légèrement moins, mais j'avais toujours une acné qui était très persistante. Et c'est par contre quand j'ai fait mon traitement de naturopathie en parallèle que j'ai commencé à avoir une différence. Et pourtant, j'ai fini ce produit. Là, j'ai du maquillage, donc vous n'allez pas le voir forcément, mais j'ai beaucoup, beaucoup moins d'acné qu'avant. Et pourtant, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai terminé.
Et je pense que c'est pas dû à ça, je pense que c'est dû à la naturopathie et à la luminothérapie, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite nous passons à deux liners, donc j'ai le Kat Von D Ink Liner, celui-là je le jette parce que ça fait très longtemps que je l'ai et il est plus aussi noir que je le voudrais, donc je le jette. Et ensuite nous avons le NYX Glam Liner Aqualux, alors déjà il est vieux parce que je l'ai utilisé il y a un moment, et en fait quand je l'utilise, celui-là il me pique les yeux. C'est-à-dire que quand je l'applique, ben, j'ai les yeux qui brûlent, donc et en plus j'arrive même plus à l'ouvrir. J'arrive plus à l'ouvrir, donc c'est un signe, c'est qu'il faut que je le jette. Mais voilà, il me brûle les yeux, donc si jamais vous avez les yeux sensibles, attention, demandez à les essayer peut-être avant chez NYX. Mais voilà, je n'avais pas été convaincue, et en plus je trouvais que la couleur était assez fade par rapport à ce que j'avais l'impression. Bref, pas convaincue par ce produit. Ensuite, nous avons deux élixirs, donc l'élixir des vagues de chez Algology, le booster hydra ressourçant, et l'élixir de nuit à la poudre de lune de chez Pellab. Celui-là, j'ai été appâtée par le fait qu'il soit bleu, que ça brille, que ce soit beau, que machin. J'ai pas vu une grande différence sur mon grain de peau. À essayer peut-être quand j'aurai moins de problèmes de peau et que mes problèmes de peau se seront calmés, peut-être que je l'adorerai. J'ai beaucoup aimé par contre l'odeur, la texture est très agréable, c'est une texture assez aqueuse. Très bien, et par contre t'adores, tu le mélanges là, ça a une couleur bleutée, vous le voyez de toute façon à la caméra, hein, une couleur bleutée style pierre de lune un peu, j'ai adoré. Et celui-là qui paye un peu moins de mine est très bien, donc Hydra Booster ressourçant, je sais pas quoi, il booste effectivement bien l'hydratation de la peau, je trouve qu'il a vraiment un effet où vous sentez que votre peau est un petit peu hydratée en fait, pleine, gorgée d'eau en fait. Elle n'est pas totalement plumpée, mais on sent qu'elle est gorgée d'eau et qu'elle est en bonne santé en fait. Donc celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé pour d'autres points, mais j'espère pouvoir le retester un jour pour pouvoir vous donner mon avis sur une peau qui sera sans problème, on l'espère. Nous avons un produit solaire de chez SVR, donc c'est la Blur Sun Secure en SPF 50+, très haute protection. C'est une crème mousse flouteur optique. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, attention, je mets des parenthèses. J'ai beaucoup aimé parce que elle n'est pas blanche, elle est d'une couleur un petit peu orangée, mais la couleur orangée ne reste pas. Donc, c'était parfait quand tu te maquillais pas et que tu voulais avoir la peau nue. Si tu voulais pas avoir un effet blanc, je l'aimais beaucoup. Par contre, il fallait que je fasse attention à ne pas l'appliquer en trop grosse quantité quand je me maquille. J'avais vraiment l'impression que ça faisait bouger mon teint dessous, donc pas ouf. Le fait que ça protège les océans, etc., c'est très bien, mais par contre, ouais. Quand je me maquillais, il fallait vraiment que je fasse gaffe à en mettre une juste quantité, parce que si j'en mettais trop, mon teint était une catastrophe toute la journée. Mais par contre, quand je me maquillais pas, c'était mon indispensable, je l'aimais beaucoup. Ensuite, la beauté, une infusion florale qui a vécu, hein, même le papier ne tient quasiment plus. En vrai, il ne tient plus, je l'ai recollé comme ça à l'arrache un peu avec le gras de la crème, enfin le gras de l'huile. J'avais beaucoup aimé cette infusion florale, c'était une huile nettoyante pour être tout à fait exacte. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette huile nettoyante, je trouvais qu'elle nettoyait très très bien, elle désincrustait très très bien. Je l'utilisais pas en démaquillant, attention à ne pas confondre nettoyant, démaquillant, c'est pas la même chose. Donc je me démaquillais d'abord et ensuite j'utilisais celle-là. Et elle venait déloger quand même le reste de maquillage ou alors... Même, je sais pas, je me sentais avec la peau beaucoup plus nette et beaucoup plus propre, donc je l'aimais beaucoup. Avant-dernier produit, un gel douche de la marque Avril à la lavande fruitée. Je l'ai pris parce que Avril c'est bio, parce que Avril c'est bien. Voilà, j'ai nous fait un nouveau slogan. J'ai fait un nouveau slogan, Avril c'est bio, Avril c'est bien. Mais ouais, voilà, certifié bio et organique, j'aime bien. Mais je me lasse très vite de l'odeur en fait de la lavande dans les produits douche. Et les autres odeurs, je les trouve pas ouf honnêtement chez Avril. Les autres odeurs de gel douche, je les aime pas trop. Et il y a quelques allergènes dedans. Donc j'essaie de trouver un gel douche parfait qui me fera la peau douce et qui sera sans allergènes et sans choses pas bonnes dedans. Mais ça, c'est dans mes rêves. Et pour terminer, ma crème d'amour que j'ai mis... Ça fait un petit moment. Elle m'a duré un moment quand même cette crème. Hein. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une crème que Gabrielle de la chaîne, que je me trompe pas, La Loge de Gabrielle, tout simplement. Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle en parlait dans une de ses vidéos en disant qu'elle était vachement bien pour sa peau mixte.
Elle est exceptionnelle. La texture, par contre, est assez épaisse. Si vous n'aimez pas les textures épaisses, je vous déconseille ce produit. Mais si vous aimez bien, vous en mettez... Faut pas en mettre beaucoup. Vous en mettez une juste dose par rapport à votre visage et à ce qu'absorbe votre visage. Et franchement, elle est top, quoi. Moi, je sais que si j'en mettais une trop grosse couche, la nuit, par exemple, avant de dormir, des fois, j'aimais bien me faire une grosse couche. Et ben, le lendemain, ma peau, elle était pas contente. Parce qu'elle me faisait des boutons. Alors attention, elle va pas vous faire des boutons, c'est pas une crème qui est comédogène, hein, mais c'est pour les peaux irritées et sèches. Si vous avez une peau grasse ou mixte comme la mienne, elle peut vous convenir, il faut juste l'utiliser avec parcimonie et la doser correctement. Moi, en la dosant correctement, ça se passait très bien. Alors moi, il faut savoir que par contre, j'ai une peau mixte avec une tendance à la déshydratation ultime et extrêmement sensible. Donc dès que j'ai une variation, quelque chose, c'est la cata, soit j'ai des boutons qui sortent, soit j'ai la peau au contraire hyper sèche et je fais des plaques et je pèle, donc catastrophe. Mais cette crème là, je l'ai beaucoup beaucoup aimée, et le matin, même si elle est épaisse, je la mélangeais avec ma crème de jour et je me faisais un massage comme ça le matin. J'ai adoré. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Avis mitigé, comme vous avez pu le voir. J'espère que ça vous plaît quand je vous parle de choses vraies et que je vous donne mes vrais avis et que je critique parfois, voire même je descends sans scrupule certains produits. Voilà, mais je préfère moi quelqu'un qui va nous dire les choses honnêtement en nous disant ça j'aime pas, ça j'ai aimé, ça j'aime pas, plutôt que quelqu'un qui va nous dire ouais tout est trop bien, tout est génial et en fait bah toi t'achètes parce que t'es une pigeonne. Clairement, et que tu te dis ouais il y a telle youtubeuse et telle youtubeuse et telle youtubeuse, elles ont toutes dit que c'était trop bien, que ça réduisait l'acné et que machin, pardon, j'ai fait un petit piqué à Freshly directement, que ça réduisait l'acné et tout, et quand tu l'achètes au final bah ça change pas grand chose. Après ça dépend des personnes, ça dépend des acnés aussi, ça dépend des peaux, ce qui me convient à moi ne vous conviendra peut-être pas à vous. Il faut être son skincare boss, comme dirait Sonia Seller, enfin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que je descende des produits, ça vous plaît, parce que moi j'aime bien des fois comme ça, dire ça c'est nul, parce que quand tu dépenses pour des trucs, que tu dépenses pour des routines complètes et des trucs chers et qu'au final c'est nul, ah oh, la désillusion quoi, tu te dis putain j'ai payé tout ça pour ça. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je teste prochainement la marque Typologie. Ça aussi, c'est une marque qu'on voit passer partout, qui a l'air très clean dans les compos, mais alors... Qui a l'air très clean dans les compos, mais alors qu'est-ce que ça donne sur le visage? Moi, je suis très curieuse de voir si c'est vrai tout ce qu'on nous dit en disant « Oui, c'est super, c'est une marque exceptionnelle, et machin, et ça a révolutionné ma routine, et nanani... » Je demande à voir, donc n'hésitez pas, si vous voulez une vidéo sur Typologie, va falloir que vous m'encouragiez parce que là les gars, Typologie ça coûte la blinde, donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Oui, on fait une vidéo sur Typologie. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner, parce que si j'ai plein d'abonnés suite à cette vidéo-là, et que j'ai plein de likes sur cette vidéo-là, je ferai l'effort d'acheter Typologie, même si ça coûte cher. Et de chambouler toute ma routine de teint que j'ai commencé, de l'arrêter complètement pour tester que Typologie pendant X jours et vous faire un retour. Est-ce que ça vous dit? Dites-moi ça. Là, j'ai besoin de vous. Vous me dites ça dans les commentaires. Si j'ai un maximum de likes, je vous fais une vidéo sur Typologie. Mais là, il va falloir pomper up les likes, hein, les gars, je vous dis. On est 300 sur la chaîne. Un peu plus de 300, 360... Combien vous êtes de petits fous à me suivre? 373! Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes fous? Vous perdez votre temps avec moi? Non, je suis très contente que vous soyez là, merci et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, merci à vous, et j'espère que mon contenu continuera de vous plaire, mais bref, aparté fait, donc en étant 373, je pense que vous pouvez quand même lâcher un like, hein. Là j'ai 60 vues, là j'ai 84 vues, là j'en ai 50, allez, on va dire si j'ai 50 likes sur cette vidéo, allez, soyons fous, le jour où cette vidéo arrive à 50 likes, ma machine a fini. Le jour où cette vidéo arrive à 50 likes, je vous ferai une routine Typologie. Mais là, il va falloir vous bouger le cul, là, les gars. Et en plus, c'est simple. Hein. Vous avez juste à faire un clic pour appuyer sur le bouton like. C'est pas compliqué, ça va pas vous tuer, quoi. Si jamais ça vous intéresse, le petit like qui va bien. Si vous n'êtes pas encore abonné et que c'est la deuxième ou plus vidéo que vous regardez de moi, c'est peut-être que vous aimez bien mon contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse et que vous voulez ne rien louper de mes prochaines vidéos. Que j'essaie de faire le plus nombreuse possible.
N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est là-bas que je vous poste quand je peux poster une vidéo, quand je peux pas poster une vidéo, quand il y a du retard sur une vidéo, quand j'ai des questions à vous poser, quand je vous propose de choisir quelle prochaine vidéo vous voulez voir sur ma chaîne, c'est là-bas que ça se passe, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. C'est un compte privé, demandez-moi, je vous ajouterai le lien direct en barre d'infos. Écoutez, c'est tout pour moi, je vais arrêter de blablater pour rien, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine, ciao! Alexa, quelle heure est-il ? Il est 16h55. Vous voyez, là, 1, 2, 3, que ça faisait bouffer, j'ai failli dire. C'est pour les peaux ou mixtes. Enfin, si vous avez... J'y arrive pas dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, oui. Ciao, en espérant que... Oh, Nyx vient de grimper sur moi. Elle vient vous dire au revoir. Tu dis au revoir, Nixou. Oh, mon amour. Elle est belle, hein. Lâche-moi. Viens là. Hop là, sur le dos. Là. Magnifique. Quel spécimen incroyable. T'es bien là. Ouais. T'as l'air en tout cas. Tu pètes pas hein, parce que t'as que juste au niveau de ma tête. C'est bien. Ouais. On a retiré sa queue quoi. Ne pas sortir de son contexte. C'était cool. J'espère que vous avez aimé autant que moi. Parce que c'était cool.